Bonjour! Jour 12 de Plain Kingdom! J'arrive à la base. Par contre, je sais plus où est la base. T'es pas. Je suis au volcan, moi. Bah, en fait, je suis là, on a débuté, tu sais, il y a la petite plateforme dans les cieux. Ah, bah, tu continues vers la gauche, vers la gauche, vers la gauche. Enfin, tu vois, il y a leur base derrière, normalement, derrière toi. Derrière toi, il y a Bah, tu vas dans la direction opposée sur la rive. Bon, moi, je retourne à la base. Ouais. Je suis à la base, moi, en tout cas. Bon, c'est quoi le programme? Muraille? Hein? Non. Bah, je sais pas, ils ont. On pose le bidule. Oui, on va poser le bidule. On va poser le bidule? Ouais. Exact. Bon, bah, on se rejoint où du coup? Bah, je dirais à la base, mais. Ok, l'un de portail est là. Et. Hop, l'Eye Offender est ici. Y'a pas de la bouffe un peu à faire cuire? Bah, en fait, c'est juste que vu qu'ils nous ont vu. Moi, je pensais. Il y avoir des poulets dans le four. Je pensais vraiment que Dorthos c'était pas là. Ouais, du poulet. Du coup, vu qu'il est là, en fait, ça sert un peu à rien de rester là et de les bloquer parce que sinon ils sortiront jamais chercher le bloc. Ah, t'as raison. Par contre, ouais, alors ils ont mis de la lave, vous l'avez vu, la lave. Oui, mais on l'a entendu surtout. Ah, moi je l'ai vu. Moi je l'ai pas vu. Ils mettent de la lave ou ils font de l'opsy? C'est ça la question. Ah non, je pense qu'il y a des sources de lave pour que quand on fasse exploser, ça nous coule sur la gueule. Ouais, je pense parce que c'est le truc, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de muraille infaillible, donc. Non, c'est pas le but. Il y a forcément une faille quelque part. C'est pas le but. En fait, si tu veux. Attends, je vais on a le droit au dos, hein. C'est toi qui arrive, François, là? Oui, c'est moi, ouais. J'ai juste envie de dire qu'on a droit au dos. Pas pour les assauts. Tiens, regarde. Par où je passe, si tu veux. Par l'arrière, il y a un arbre, tu peux. Par l'arrière à gauche, ouais. Genre ça fait une source de lave, une source de lave. Ah bah ça va, ouais, mais ça c'est juste pour optimiser, du coup ça va couler partout. Hein. Voilà, c'est ça, mais c'est pas pour faire de l'opsy. Je sais pas comment on va faire pour ça, bon, on verra bien. Bon, j'ai plus de encore, encore à gauche, François. Non, je sais, mais j'avais une pastèque. Tiens, Brie. Ouais. Tiens, prends ça, plus prends les pastèques qui ont poussé. Du coup, on y go, on repart direct, c'est wouhou. Attends, je vais pousser les poules. On va. Un souci Skype, d'un coup, ça fait du coup on y... Non, moi je. Ouais, non, j'ai on y go, mais bon, j'avais deviné ça. Bon, bah écoute, si tout le monde est bon, on peut y aller. On peut faire du pain là. Bah, allez-y si vous voulez, si vous avez de quoi crafter. Ok, moi je remonte de la muraille. Je veux y aller, je veux poser le bidule. Bah, on y va tous ensemble, non? Oui, on y va tous ensemble. Mieux, ouais. Et comme ça, au retour, on va voir s'ils sont dans leur. Ok, ça marche. Bon, par contre, y a pas de table de craft, c'est chiant. Ouais, bon. Car voici. Qu'est-ce qu'il dit? Caraba. Je crois qu'il est un petit peu. Enfin, il a des problèmes. Il est fatigué, je crois qu'il a fait nuit blanche un peu. Oui, il a fait nuit blanche, il est allé en cours après donc. Ouais. Là, il est un petit peu. Ouh là là. On y va? Oui, on y va. Snoop Doggy Dog, qu'est-ce qu'on attend? Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend Xef, mais c'est parti, on y go. Allez, là ce soir. Allez, Snoop go. Snoop Doggy Dog. Alors qu'est-ce qu'on atteint? Ce truc. Il y a mon cher voisin qui tape comme un malade sur le mur. Grim? Non, le voisin. D'accord. Donc ça doit aller. Donc en fait, si on va sur le plan du Dross Grim, il va aussi s'en plaindre là. Peut-être, ouais. Ce serait drôle. C'est possible. Au secours de voisin là. Putain, tout de tapé. Putain, con. Oh con. Oh putain. Ah par contre, j'espère le poser dans le bon sens le truc, mais bon, on va voir. Raté. Non mais normalement, ça peut avoir un impact, mais normalement ça devrait aller. Alors, c'est ici, parce qu'on n'avait pas forcément, enfin je sais pas pour toi Brie, mais nous on n'avait pas montré. Ah non, on va aller voir. C'est tout en haut de la plus haute cascade. Il y a une vache qui va mourir, tu la vois ou pas? Ouais, non. Je n'ai pas vu la vache. Moi j'ai vu le meurtre. Tu l'as vu? Oui, cette vache était destinée à un merveilleux Big Mac. Tu sens à quel point ça va être la merde? Pour monter cette cascade. Oui, je le sens. Je sens la merde arriver. Ah, tu sens la merde? C'est ce que je sens la merde arriver, vous êtes pénible. Oui, je suis quelqu'un de très sale. Alors, on peut s'aider de source d'eau techniquement, donc, enfin, de nos seaux, tout ça, donc si vous voulez. Oh, non, moi je monte, c'est parti. Regarde-moi, je remonte la rivière tellement. Tel un saumon. Ouais, un beau saumon. ça m'appelle dans l'île au trésor saison 1, le vortex. Super saumon quoi, c'est pas super Mario, c'est super Brie. Super saumon 666. Salut à tous, c'est super saumon. On se retrouve aujourd'hui. Du coup, c'est pas Mario Brie, c'est. Oh, Marie par contre, on va tellement s'éclater pour la descente. Ça va être waouh. Oh, quoi qu'attends. Dans Flight Kingdom, ce sera Thalassa, tu vois. Ouais, quoi qu'attends, on serait capable de se faire. Là, ce serait tellement dégaine, tu sais, que genre qu'on soit en haut, ils sont en train de monter, on fait nope.
Des flèches. Non, même pas, tu donnes un coup de main. Est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a dans le coffre ? Alors, oui, on peut regarder tant qu'on ne le prend pas. On va montrer justement le coffre bonus. Ça me paraît être une bonne idée. On va commencer par ça. C'est très joli, vu d'ici. Ah, c'est très joli, vu d'ici. Bon, moi, ça commence à dépop, mais c'est très joli. Ah, nous sommes arrivés. Alors voilà, le soleil qui met le portail de l'Inde. Alors, par rapport à la saison dernière, au final, vu que personne ou presque avait d'Underpearl, on s'est dit, du coup, on va déjà en mettre et on va juste bloquer les deux trucs là. Donc voilà, ouais, au moins ça accélérera le truc. C'est plutôt bien. Alors, par contre, dans quel sens faut que je le mette ? Ah, ça, c'est une... ça marchera de toute façon. Ah oui, alors par contre, attends, il faut que je mette. Vous pouvez surveiller deux secondes ? Oui, juste. Slash là. Whitelist add ah, oui, c'est vrai. Under tiré. Portal tiré. Tiré du 8 Frame. Tiré du 8 Alors normalement. Pourquoi il veut pas ? En dehors de votre territoire. Tadadin. Ah, pourtant c'est. Attends. Slash. Par contre, ouais. Ça s'affiche pour tout le monde ce que t'as mis, donc à mon avis, ils ont compris. Hein. T'es sûr que ça s'affiche pour tout le monde ? Oh, bah je l'ai vu. Moi aussi je l'ai vu. Whitelist. Ah non, mais Whitelist. Viens, on va voir le coffre bonus. Ouais, c'est ce que j'étais sur le chemin, je fais, est-ce qu'on a le droit ? Attendez, j'ai un problème. FK, team, waitlist. Il y a deux coffres, mais il y a qu'un coffre. C'est lui le bon, je crois. Oh ah ouais, d'accord. Voilà. Il y a des belles choses. Effectivement. Slash, je vais y arriver, attendez. Il n'y a pas de soucis. Add, donc c'est... under... Et là... Tiré portal... Là on est espionne un peu Rayman. Le monde. Tu veux qu'on domine un peu ? Ça veut pas ! Je comprends pas. Je ne sais pas. Pourtant. C'est beautiful de là. Ah sérieux, il y a un problème, attendez. C'est sûr que ça s'appelle comme ça ce truc ? Bah oui, parce que là quand je fais list, wait list list. Ah non mais d'accord. Mais je comprends pas, attends. Wait list. Des majuscules ou des trucs. Non mais en fait, quand je fais. C'est ça qui est trop bizarre, c'est-à-dire qu'il y a deux types de listes, je crois. Parce que quand je fais ça, moi maintenant je vois les players. Mais voilà. Tout à l'heure. Ouah. Attendez. FK, slash FK. Whitelist. Et si on retournait à la base, nous. Ouais, viens, on va retourner à la base. Parce que là, on est un peu en mode. On est c'est bon, je les ai. Super Yosh hit the ground too hard. J'ai pensé à ça, moi. Portal tiré frame. Voilà. C'est bon. Ok, c'est bon, c'est mis. C'est bien, c'est beau. C'est mis. Vous l'avez vu dans le chat, ça ? Évidemment. Non, on l'a pas vu. Ah, non. Le ajouter à la waitlist. Bon, très bien. Non, là, donc, on l'a pas vu. Ça. Je vais montrer le coffre bonus. Hop. Donc là, il y a des steaks et là, donc voilà ce qu'il y a. Il y a 3 pommes, 25 d'or. Avec plein de nourriture. Et de l'infinity. Bref, c'est plutôt pas mal. De la bouffe. Bon. Du coup, c'est le plus important en fait. Du coup, vous rentrez à la base, c'est ça ? Ouais. Ou est-ce qu'on passe par la base à adverse ? Ou abri. la base abri. La base abandonnée. Au cas où ils sont en train de fouiller, ouais, je pense que c'est une bonne idée. Ah ouais, moi je suis en train d'aller voir justement. C'est par là-bas ? Les gars, vous avez vraiment une sens d'orientation. Non mais, c'est moi qui... Oui, oui, ça doit être là-bas, oui. Ça doit... Mais tout est en cercle, ça ressemble. Mais non, trop pas, ça se ressemble. Enfin, c'est en cercle, mais ça se ressemble pas. Moi j'arrive... Ah mais moi j'ai du mal. J'ai des soucis mentaux. Voilà, arrêtez de vous battre et voilà. La rotonde va tourner. C'est quoi ça? C'est Ribéry qui maintenant a une barbe. Ah ouais, il a une barbe maintenant. Ah ouais, on dirait un terroriste. Je suis chez les rouges. Putain, c'est quoi ça encore? T'as intérêt à être un animal. Tu vois un nom? Non. Oh. Vous êtes où? Bah, je balade. Suis... Ah bah, elle est là, la base. Non. T'as les gars. Je vois ah, moi, je le suis parce que j'ai abandonné l'idée, quoi. Ah si. Putain, j'ai des gros bugs de chunk depuis qu'on a repris, je vois l'intérieur du volcan, tout ça. C'est quoi, c'est F3 plus A? Ah, je me souviens même pas de trucs pour reset les chunks, quoi. C'est F3 plus A. Je vais à leur base. Nous, on se balade. Je sais pas où on va. On va retomber sur le sur notre base. Putain, sérieux, bande de bras cassés, quoi. Oui, j'avoue tout. J'ai même perdu mon Xef là. Je suis derrière. Ah oui, mais comment t'as fait? Je me suis téléporté. Ils arrivent. Oh putain. Ah non, c'est vous, putain. J'allais boire ma potion, bande d'idiots, vous arrivez chez eux. Mais bande d'idiots, vous êtes passé devant la base en plus. Mais quelle bande de bras cassés, qu'est-ce qui m'a refilé? J'allais prendre ma potion de force.
bande d'abrutis quoi, sérieux. On est prêt pour KTP là. Ah ouais, mais trop ouais. Expédition brioche réussie. Oh mon dieu. Enfin bon, quand je dis abrutis, c'est amical, hein, les gens. Ne vous vexez pas. Alors, je vois Léo. Putain, il y a Léo. Sneakez-vous, il m'a pas vu. Oh, je suis Léo. Sneakez-vous, ils vont sortir. Sneakez. Il faut monter dans les arbres. Sneakers. Ouais, grimpe. Grimpe en sneak. Y'a pas dans celui-là. Ah non, je suis coincé, je peux pas aller plus haut. Allez plus haut. Je les vois pas, ça me sert. Enfin, je vois Léo en l'air, mais je sais pas ce qu'il fait. Il y en a deux, hein. Ouais, mais je sais pas ce qu'il fait. Le dernier, je sais pas où il est. C'est Ross Grimm. Léo a dit. Non, Léo est toujours là. Léo s'est mis en sneak. C'est toi, Brie, qui te barre. Oui, moi je parle. J'essaie de trouver un arbre dans lequel je pourrais monter. Il fait nuit en plus, là, c'est bien, c'est un bon. Alors, je crois que je vais mettre ma potion de reste. Je crois que Léo vient de descendre. Vous avez un aperçu sur eux? Non, Léo est toujours là-haut. Mais on dirait qu'il attend quelque chose. Par contre, il y a... Oh putain, tu m'as fait peur. <T'as les gueules. rire> Il s'est pointé genre... Eh les gars, sinon Léo... Ah non, Léo est toujours là. T'as qu'est-ce qu'ils foutent? Ils sont à leur base, mais y a pas d'orthos. Hein. Tartas. Une fois de plus. Tu rajoutes un i, ça fait Doritos. Je sais pas ce qu'il fout, franchement. C'est un biscuit là, c'est trop bon. Attends. Y'a pas un petit creeper? Non, mais ils sont à leur base ou ils sont à la base Ils sont à leur. Mais non, mais. Mec, on est à leur base là. Oh, je sais pas où est-ce qu'on était. Putain, c'est FK jour 12 là. Je préviens. Ils se déplacent trop. Ok, ils sont sneakés les deux. Je suis dans l'arbre. Ils nous ont vu. Bah, c'est pas possible. Non, je monte. Ah, c'est le. Coup, ah oui, il m'a vu, Léo. Coucou! Il est où? Ah, j'ai vu une flèche partir. Ah, je peux aller chercher les flèches. Il est beau le trou chez vous, c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai. Ça, c'est une technique de Dorthos. C'est toi qui envoie des flèches, Sif? Oui, c'est moi. Putain, j'ai l'impression d'avoir un poisson dans les mains, quoi. Au lieu d'un arc. Ouais, on va le buter. Il est où? Y'a pas de creeper. Oh putain! Il est où? Encerclez-les, faites-les stresser! Bim! C'est vous sur l'arbre? Tu peux pas tirer depuis l'arbre? Hein. Ah bon? J'ai pas le droit? Non, on peut pas attaquer non plus depuis l'arbre. Ah, ne savais pas. Bon bah je m'en vais. Flèche. De toute façon, je les ai ratés. J'en ai touché un. Hein. Hey! La flèche que t'as entendue, c'est mon arc bandé. Que j'ai désarmé. Il est parti où, Julien? Je suis à l'arrière. Mais ils sont en train de faire des putains de murailles. Moi, je les vois là, ils sont en train de faire des murailles de merde. Bah, ils jouent en défense, quoi, clairement. Mais je sais pas. Ah, je me fais attaquer! Ils attendent quoi pour le dragon? Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils attendent pour le dragon. Ça se trouve, il est long, ils vont pas le poser. Ils attendaient qu'on le mette. Bon. Peut-être qu'ils attendent d'avoir une Ender Pearl, surtout. Pour y le mettre et direct y aller. Bah alors vous savez ce qu'il nous reste à faire? J'entends un zombie. Vous savez ce qu'il nous reste à faire? Venez, on rentre et puis on farm le creep et puis dès qu'on amasse, enfin en attendant d'augmenter les TNT. Et si vraiment il tarde trop pour le dragon, tant pis, on attaque. Ouais, bah on a qu'à se préparer. Hein. Je retourne quand même, je passe par l'autre côté au cas où Dorthos. Oui. On se retrouve à la base du coup. Moi je passe par le volcan. Bah ouais, il y a plus qu'à se préparer encore. J'ai peut-être aller prendre de l'XP dans le laser. J'ai peut-être aller faire ça vite fait parce qu'il fallait que je fusionne mes protecs. Bah moi je pense que je cherche l'émeraude en bas parce que ça rapporte pas mal d'XP aussi l'émeraude en bas. Ouais, pas autant que le quartz. Bah ouais, mais le quartz si on le farme tous, y en a un qui sera lésé quoi, ou un truc comme ça, tu vois. Lésé. Lésé les tranquilles. Faites gaffe qu'ils nous suivent pas quand même. Je pense pas. Ok. Dorthos. On a encore de la cobalt de toute façon, moi je peux améliorer la base et tout. Bah on peut, mais enfin... Bon, on peut l'améliorer, franchement... Après là c'est un peu statu quo quoi, si on... C'est pour ça que je pense... Est-ce qu'elle est vraiment impénétrable du coup, leur muraille? Bah non, non... Elle va être chiante à pénétrer, surtout. Elle va être chiante, mais elle est pas impénétrable, non. Je pense peut-être pas, qu'on peut se faire des fire résistance. Bah oui, surtout qu'on a des magma crime. Donc c'est à ça que je pensais. T'as tout compris, j'ai deux creepers. Je vais me les faire. Mais oui, t'as tout compris. Il était où? Oh putain, il était à côté de... Dis, où ça? Devant, sur la plage. Sur la plage, quel côté? Brie? Attends, mais... quel côté? Sur la plage? Ouais, mais quel côté sur la plage? Vers où? Bah, à gauche, si tu viens de la plage. Vers... Ok,
Bah, je vois pas. Vers chez nous, comment? C'est ça que je te demande. Il est passé par le volcan il aussi, était, non? Il était à notre base. Oui, bah voilà, c'est ça que je te demande. Pardon, on a du mal. Il m'a fait stresser, en fait. Bah, mais attends, mais t'avais tout ton stuff? Ah, mais tu l'as tué. Mais je l'ai tué. Tu l'as tué, mais oui, mais pardon, ouais, mais moi j'ai compris pareil. Que mort. Mais oui, moi aussi, c'est pour ça que je t'ai affolé. Il était stuff ou pas? Il était ici. Et il avait sur lui des trucs en pierre. Ouais, que du caca, quoi. Bon, oui. Il nous a pas fait des trous? Non. Visiblement, non. Donc, oui, moi je pensais effectivement à des fire résistance. On a de quoi s'en faire. Du coup, on se fait une fire résistance. Et puis, on va péter leur muraille. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qui ça? Et j'ai entendu Rosrim se foutre de mon cri. J'ai très bien entendu. Donc les gars, on fait ça. On continue peut-être à faire encore un peu de TNT, puis on assaut, puisque ils ont pas l'air décidé. Bon, attends, je vais leur dire. Il faut que j'aille pisser moi après de toute façon. mais ouais, je pense que, enfin clairement, vu qu'ils veulent pas se décider, je pense qu'on va attaquer. Hein. Donc bon, alors je descends faire les fire résistance. Mangez les poules, mangez. Mangez. Faites des petits. Est-ce que j'ai des œufs? J'en ai un. On va pas aller loin. On a 43 or, tain, c'est dommage. Est-ce que t'as des os? Mais oui, j'ai des os. J'ai un os. Attends, je vais faire pousser ça là. Ah ouais, alors non, ça va pas être possible, François. L'alambic. Ah non, il est l'alambic. Non, hein. Oh. Je sais pas, je vois plus d'alambic. Vous avez encore perdu l'alambic. Je sais pas, je voyais plus d'alambic, il a été déplacé. Où est la Netherwart? Elle est là. Hop. Ça me stresse cette source là. Quelle source? C'est parce qu'elle coule. Elle est chiante. On doit se faire du pain également. Hop. Regarde-moi ce blé comme il est beau. Du bon blé du pays. Où est-ce qu'elle est la magma cream? La magma cream. Merci bien. Et on a de la glow. On a de la glow, dites-moi qu'on a de la glow. On a encore 11 gold. Oh. Faudrait se faire des. Est-ce qu'on a des pommes? Oui, il me semble. Je crois qu'on en a une. Je suis pas des sûr. Des petites pommes en or? Mais je ne vois aucune pomme. Ah bah alors. Bah non, on en a pas. Ah, je sais, on l'a vu dans le coffre bonus. Ah oui. Alors, je suis en train de voir où est-ce qu'on peut attaquer. Ah bah là, ils reviendront pas de sitôt. Hein. T'as vu ma technique d'attaque super. Super la technique du Yakuza. Ah là là. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait là? On redescend? Je suis en train. Non, t'inquiète, je suis en train de faire les potions. Les pioches, on va finir là. On va chercher des. Oh là 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 là, les pioches, les pioches. T'as récupéré celle de tout le monde. Oui. Viens, on va chercher des creepers nous. Dans les grottes? Ok. C'est vrai qu'on peut pas faire de résistance. Ah, aïe. Ah, c'est vrai, faut tomber. Donc je fais des potions de résistance à jeter. Comme ça, bah ensuite. Je sais pas, on a combien? On a 5 TNT. On peut rentrer, je pense, avec 5 TNT. Je pense. J'ai pas vu l'épaisseur de leur muraille en fait. C'est assez gros, moi je trouve. Hein. C'est gros, mais enfin 5 TNT quoi. Oh non! Comment t'avais? Pas parce que j'avais plus beaucoup de billes. C'est le trou de la grotte? Ouais. Attention, c'est. Hop. La stone. Bah écoutez. J'allais dire, c'est ça de vous espionner, mais non. Je vais pas le dire. Bon, je cherchais mon stuff dans les escaliers. Ok, donc je pense que s'ils se décident pas, fin épisode prochain, on peut attaquer. Là, il faut que j'aille dans le Nether, on va me prendre un peu d'XP encore, mais si. Oh, il n'y a pas de creep. Je pense qu'après, on peut y aller. C'était le petit fail du jour. Oh, mon stuff. Non. Ouais, bah. Ah, j'ai seulement de voir tes dalles de pression, tu vois. D'accord. Je serais bien allé titiller le dragon, mais s'ils veulent pas y aller. Bah, ouais, je sais pas ce qu'ils sont font. Peut-être pas prêts, tout simplement. Ils veulent pas y aller tant qu'ils sont pas prêts parce qu'ils savent qu'on va y aller direct après. Dès qu'ils vont poser le truc, on va y aller, nous. Ouais. Ils se préparent. Pas faux. Bon, écoute, on va voir. Bref, moi, je suis en train d'aller au Nether. On espère que cet épisode vous aura plu. Encore une belle journée. Et pour conclure... Oh, un creeper. Oui. Tu disais. J'allais dire, pour conclure, je vais faire un top de synchronisation. Top. Voilà. Très bien. Et j'ai eu 2 poudres. Ah non, 3 poudres. Très bien. Allez, bye bye tout le monde. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.